My life depends on trying to figure a scribble I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out of my brain. I wish life wasn't any other way, but it's all side roads to nowhere, and I can't find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it sits inside that cold air that exists between our lack of shit to say. But I always wanna spend my time with you, even when I'm whacking, got no change. You still sticking here with me. Yeah, you still sticking here with me. And I just wanted to say thank you. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que tout se passe le lundi matin. Et pendant très longtemps, j'avais l'impression le dimanche soir que c'était un instant dépressif, nostalgique, à me dire merde, la fin du week-end, c'est déjà là, demain la semaine recommence. En mode triste, en mode saoulé presque. Vraiment le moral à zéro en fait. Et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je change ça pour être motivé à fond le lundi matin. Et je suis sûr que la manière dont on va commencer notre lundi matin va définir toute la semaine. Mais ça, on en reparle après. Thank you. I'm a scrub but you still love me, you love me. I'm a scrub but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub but you still love me, you love me. I'm a scrub but you still love me, you love me. Ciao mec. Ça va toi? Ok. Après ça va partir hein, du coup. Le lundi matin, c'est le jour le plus détesté de tout le monde. Et il y a cette phrase parfaite où dès qu'on est en entreprise, en tout cas pendant quasiment un an, j'ai bossé dans une assurance à Lausanne, quand j'étais en train de faire une transition entre l'arrêt de mes études et le début de ma première entreprise. Et chaque lundi matin, quand j'étais au bureau, il y avait chaque fois cette question « Comment tu vas ?» et cette réponse « Comme un lundi matin ?» On sentait que le moral de ma team était à zéro, que les gens tiraient la gueule. Et vraiment, c'est comment dire, mais c'est une sorte de routine où on peut facilement tomber dedans, même sans s'en rendre compte. Se dire « Ok, la semaine, il faut que je serre à fond les dents, serre à fond le poing dans la poche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, putain, c'est enfin presque week-end. Vendredi soir, week-end, on a deux jours de pur bonheur après, ça recommence, on repart au charbon. » Et je pense que c'est juste une façon de penser qu'il faut réussir à changer et une façon de voir les choses. Et à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. J'aime bien me dire que le week-end, c'est je recharge les batteries pour réussir à puiser dedans un max la semaine. Et la semaine, on a 5 jours chrono chaque semaine pour réussir à accomplir ses ambitions. Si maintenant on décide dans notre vie de vivre que pour le week-end ou de s'accrocher qu'au week-end, c'est qu'on accepte littéralement de rayer 5 jours sur 7 de notre vie en fait, chaque semaine, on tire un trait dessus à se dire « Ok, je vis que pour les week-ends. » Et pour moi, en tout cas, la semaine, c'est 5 jours chrono où je peux réussir à accomplir le max de choses possibles, où je peux réussir à bosser, à créer des projets, à réfléchir à des idées, à aller au bout de mes ambitions, que ça peut être sur le plan privé, le plan pro. Et moi, je vois la semaine vraiment comme l'instant où je dois réussir à m'épanouir à fond. Et le week-end, c'est là où je recharge les batteries. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que le lundi matin, je prends tout le temps vraiment beaucoup d'importance à commencer la semaine de la meilleure façon possible. Donc je me lève tôt si j'arrive, je fais ensuite ma routine, je me prépare, vraiment je prends le temps de me conditionner et c'est le lundi matin où c'est le plus important. C'est pas un matin qu'il faut bâcler, pour moi en tout cas c'est un matin où je dois vraiment prendre le temps de faire les choses correctement pour être sûr de paramétrer mon esprit de la bonne manière. Et je sais par défaut que si je commence bien mon lundi matin, la semaine peut que bien se passer. Mec c'est horrible, j'arrive pas à articuler le lundi matin. Essayez de changer juste cette façon de penser. Vraiment, dites-vous bien que c'est la semaine que tout se passe. C'est la semaine où vous avez 5 jours chrono. 5 jours, c'est pas beaucoup. 5 jours pour essayer d'accomplir un max de choses. Bravo, Gary. Merci. Et update, je viens juste maintenant à l'instant de recevoir un message d'un gars qui a commandé son hoodies, qu'il a déjà reçu. Je sais pas comment c'est possible, on l'a envoyé vendredi après-midi. Et il l'a reçu, on est lundi matin. Putain, c'est rapide. Et il a écrit, il m'a envoyé juste une petite photo. Celui-là ne va pas arriver jusqu'au pied du sapin. Je vais essayer de résister quand même à l'envie de l'ouvrir et attendre ce soir pour tenter une vidéo unboxing. T'as la classe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Well done, mec. Good job. C'est du good job.
Pour aujourd'hui, à la base, j'avais ce matin un rendez-vous client au bureau. Malheureusement, le client a eu un imprévu personnel pas super agréable. Du coup, bah, il n'arrive pas à venir, ce qui fait que ça me libère la matinée, ce qui fait que je pourrais passer maintenant la matinée pour avancer sur un projet qui va me prendre beaucoup de temps. Je vous en ai déjà parlé, je vous le montre. C'est les cartes de vœux. Je dois écrire, allez, peut-être 100, c'est beaucoup un petit peu, mais je pense environ une huitantaine de cartes de vœux. Enfin, les Français, ils vont pas comprendre, là. En vaudois, on dit 80. Enfin, en vaudois, en Suisse, on dit 80. Comment tu dis en français ? 80. Ouais, mais une 80aine. Hey, franchement, c'est une bonne question. Mettez en commentaire si vous avez la réponse. Une 80aine, une 80aine de cartes de vœux pour les clients, pour leur dire merci pour la confiance, merci pour ce qu'on a fait ensemble. Du coup, ça va me prendre beaucoup de temps. Et pour tout vous dire, j'avais déjà sur le petit doigt, là, une sorte de croûte qui s'est formée parce que j'ai écrit une petite lettre personnalisée pour toutes les personnes qui ont commandé un hoodies aussi. Ça m'a pris une chier de temps et du coup, je pense que j'aurai de la corne dans les prochains jours. Et du coup, ce matin, je vais mettre là-dessus. Mais comme chaque lundi, vous connaissez le rituel, il faut aller prendre le courrier. Surprise, surprise, surprise. Suspense, suspense. Faudrait une musique d'action là. C'est une musique genre. Une musique qui fout les boules là. Alors. Il y a des youtubeurs qui font des mail time, mais en mode genre super sexy avec des colis qu'ils reçoivent. Moi je fais des lettres time, ok, lundi matin, avec les factures qu'on reçoit. Quand c'est du prioritaire, c'est jamais très bon. Ah non, c'est cool ça. C'est une petite bonne nouvelle. C'est lié à l'autre bonne nouvelle. C'est un CV. Putain, excellent. Ouais. Une personne qui postule spontanément. On lira ça après tranquillement. C'est cool. Et c'est une facture, mais c'est une facture obligatoire, c'est pour les cafés. La semaine s'annonce bien. Presque pas de facture ou très peu de facture pour l'instant. C'est bon signe. Et il y a une personne qui a passé 6 commandes de hoodies d'air, qui n'a pas encore reçu ses hoodies. Et cette personne, c'est ma mère. Checkez juste. Pas celui-là, mais tout cela du bas. Elle a commandé pour mon père, mes frères et sœurs et pour tout le monde. Et du coup, il y a tous les Logan qui auront leurs hoodies d'air. Et je pense vraiment que le soutien des proches, il n'y a rien de plus important. Pas besoin d'avoir 300 personnes qui nous encouragent, mais juste d'avoir le cercle proche de famille ou d'amis, vraiment qu'on compte sur une main, hein, qui nous encourage à fond, je pense qu'il n'y a rien de plus boostant pour réussir à aller loin dans la vie. Et d'avoir des parents qui m'encouragent dans ce que je fais, franchement, c'est juste mais le rêve. Trop reconnaissant. Maintenant, on doit passer vite, aller acheter des commissions et du papier pour l'imprimante, et on doit aller livrer les cartes de vœux d'un de nos clients. On lui a fait des cartes de vœux, et à la base, il fallait qu'on les livre pour la semaine passée, mais il y a eu un problème dans la livraison. À cause du Covid, les frontières ont été bloquées, du coup le livreur n'a pas réussi à livrer à temps. On a ses cartes de vœux du coup, et à la base c'était pas prévu, mais on ira maintenant les livrer sur place chez lui pour qu'il puisse gagner un peu de temps et qu'il soit content à la fin. Trop triste, ce restaurant qui est juste là, c'est un mec qui est de Tokyo au bureau à l'agence il y a 6 mois en arrière, pour nous dire, hey les gars, c'est un nouveau resto que je viens d'ouvrir, qui est en haut de la rue. Passez manger une fois un de ces quatre, on est voisins. Et le mec s'est lancé au début du Covid, quoi. Donc pas de chance, quoi. C'est la vie, mais vraiment triste pour lui. Il y a une dame qui a commenté
sous une vidéo. En fait, l'autre vidéo où on allait faire les commissions avec plein de snacks super sains là, avec Yami, qu'elle était super étonnée en fait de voir que je prenne autant de snacks malsains. Enfin, je mettrai le commentaire maintenant sur l'écran là. Et qu'elle trouvait que c'était même étonnant de la part d'un ancien sportif de haut niveau. Et je tiens à lui répondre via cette vidéo en fait. Je pense que 99% de l'année, je suis en mode à fond discipline. Je fais vraiment gaffe à tout, le sport quasiment tous les jours, la bouffe, je fais gaffe quasiment tous les jours. Je fais ultra attention, vraiment quasiment H24. Et je pense qu'on a besoin de périodes de laisser aller. Maintenant, se laisser aller de façon non contrôlée, ça peut être malsain pour la santé, pour la santé physique et mentale aussi. Et c'est comme ça que j'appelle ça les laisser aller contrôlés. Où je me dis, ok, maintenant, je mange ce que je veux, je vais moins au sport, je fais moins ci, moins ça, plus d'autres choses que je fais moins d'habitude. Et je pense que c'est important d'avoir des périodes aussi où on recharge ses batteries. Et la discipline, c'est une batterie. Parfois, on a besoin aussi de la recharger un petit peu. Et c'est impossible d'être tout le temps à fond. Donc pour cette personne qui m'a mis ce commentaire, bah, je dirais que je te rejoins à fond. Dans le sens qu'il faut réussir à faire gaffe tout le temps quasiment. Mais on a besoin de ces périodes de laisser aller, contrôler, pour réussir à encore être plus discipliné le reste de l'année. Bonjour. Bon, c'est une chose de faite. On va mettre dans nos compétences d'agence, livraison express, traitement de courrier, traitement de colis, traitement d'envoi. Pas de gym, on va dire, mec, ça va changer, ça va évoluer. Ça va venir à Amazon de tous les services du monde. Vous l'aurez deviné, il est maintenant fin de journée, il fait nuit, mais c'est ouf. Ah, il fait nuit quand même, enfin, rien de ouf non plus quoi. Non mais c'est genre 18h30 quoi, on a l'impression que c'est minuit. Mais du coup maintenant vous connaissez le refrain, dès que j'ai une bonne grosse journée de taf, il n'y a rien de plus puissant qu'une séance de sport. Et en plus maintenant je me suis lancé un nouveau défi, enfin j'avais déjà réussi une fois à le faire mais il y a vraiment longtemps, c'est de refaire les 200 kilos au deadlift, au soulevé de terre. Je suis arrivé la semaine passée après une reprise, après plusieurs mois de pause, à 140 kilos, j'ai foiré à 160. Donc là, ce soir, après 7 jours de repos pour le dos, je vais essayer de refaire un deadlift à 150 kg. Je vous prends avec moi dans 3, 2, 1. On reste encore une fois. One more rep. Bon, faut savoir dire stop. Ça passe pas là. Fait chier. Putain, j'étais bien mentalement en plus. C'est la vie. 150, déjà 10 de plus que la semaine passée.
Du coup, semaine prochaine, si je garde ce rythme, 10 de plus encore. Séance terminée. Oh, je suis cuit. Trop bonne humeur, mais monstre cuit. Bougez pas. Franchement, 2021, j'ai fait un post où je parlais de ça un peu sur LinkedIn pour dire que c'est pas l'année qui compte. C'est pas de se dire 2021 c'est mon année, 2020 c'est mon année. Je pense que c'est plus de planifier les prochaines 10 années et se dire voilà ce que je veux réussir à accomplir, voilà qui je veux devenir, voilà ce que je veux faire. Et plus voir ça sur le long terme. C'est pas une année en particulier. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont forcément se dire maintenant, vu que 2021 arrive, voilà en 21 ce sera mon année, je ferai du sport de nouveau à fond. Dites-vous pas ça. Je pense que cette pensée elle est court terme. Voyez plus vraiment, essayez de vous voir dans 10 ans. Vous voulez être qui dans 10 ans? Est-ce que vous voulez être en forme physiquement? Est-ce que vous voulez être bien dans votre tête? Est-ce que vous voulez créer une entreprise, être à la tête d'une boîte et gérer des personnes, voyager, vivre de votre passion? Essayez de vous projeter dans 10 ans. Et les actions que vous mettrez en place maintenant, ça va vous mener là où vous voulez être dans 10 ans. En tout cas, sans faire le donneur de leçons, je peux que vous encourager à fond, à faire du sport. Franchement, dépassez-vous, surpassez-vous. Et je pense que le sport, il n'y a pas meilleure école de vie. Je le répète plein de fois. En tout cas, pour moi, c'est le truc qui me drive le plus dans la vie de tous les jours. Faites du sport, défoulez-vous à fond. Et si vous repoussez vos limites au sport, vous les repousserez aussi dans la vie de tous les jours. Voilà pour cet épisode. Si vous avez kiffé, laissez un petit like. On se retrouve tout bientôt pour le prochain. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.